Qu'est-ce que vous faites exactement? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider? L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. S'il vous plaît, commandant, ne revenez pas me voir avant d'avoir parlé à Septimus. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ce n'est rien, ça. Le SSC a toujours fermé les yeux sur ce qui se passait ici. Fist devait graisser des pattes. Chez les Cariens, les danseuses ont un statut social très enviable. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas de ces femmes. Commandant, que voulez-vous? Quel est le problème, général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. C'est pitoyable. Pourquoi se mettre dans cet état pour une femme? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Ce n'est pas un exemple pour vos troupes. Qu'elles aillent se faire voir, les troupes. Ce que je voulais, moi, c'était arrêter de travailler pour vivre avec elles. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar? Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là? Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut pas faire de mal. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine. Même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide, ou deux, vous avez l'air plutôt futé, dites-donc. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui? Et je le trouve où? À un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eve! Voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Pas maintenant, je suis occupé. Désolé, je reviens dès que possible.
Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous savez qui je suis ? Votre arrivée a fait tiquer pas mal de monde parmi les diplomates et autres parasites locaux. Il se passe toujours quelque chose par ici. Je peux vous rencarder sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin, si ça vous dit. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Bienvenue, humaine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tendu. Salutations humaines. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Turien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus, et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Tenez, ça devrait vous convaincre. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humaine. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humaine. Je dois partir immédiatement. Je suis sûre qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humaine. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Ah ! Revoilà l'être humain. Qu'y a-t-il encore ? Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Humain. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle auprès de la favorite ? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais je me suis sentie appelée. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Beaucoup d'entre nous ont entendu le même. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant.
mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous, de vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vous vois. Votre uniforme vous va comme si vous étiez née avec. Vous êtes une guerrière du plus profond de votre âme, fière, solitaire. Mais c'est dans cette solitude que vous puisez votre force. Et c'est cette force qui attire les autres à vous. C'est la raison pour laquelle vous menez, et ils suivent aveuglément. Ce don vous sera précieux dans les combats à venir. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Shaira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, daignez accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est ? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Ouais. Depuis que Fist a repris l'établissement, je n'y vais plus. On dirait que tous les bars à cocktails sympas se font remplacer par des trous comme l'antre de Coras. Celui de l'ambassade n'est pas mal. Mais niveau spectacle, c'est un peu léger. On croirait que c'est géré par l'administration, tellement ils mettent de temps à faire leur programmation. Sans doute, oui. Vite, Oudina est en train de présenter l'épreuve de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benezia. Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit.
Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible, c'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher Saren de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, Shepard.
Thank you.